Bonjour, ici Miss Malfoy. Bon, je recorde un peu ma vidéo. Bonjour, ici Miss Malfoy. Oui, je referai mon intro si je l'ai déjà fait. Je vais vous présenter mes produits terminés. Donc, vous, ma boîte de produits terminés. Je n'ai pas beaucoup, mais je vais quand même la faire. J'ai un Garnier Nutrisim qu'on retrouve dans les teintures. Ma mère ne l'utilise pas. C'est un soin crème riche nourrissant. Comme ceci. Ils sentent bon. Ils sentent très très bon. Ça vaut comme odeur. J'ai essayé la crème. Un échantillon. La crème fraîche de beauté. Anti-pulsion. Crème riche hydratante aussi. Hydratante 48 heures. Pas sèche à très sèche, même sensible. Donc, c'est de la marque Nuit. Ça se présente comme ceci, c'est un petit échantillon. J'ai essayé. Look! Un masque. Un masque apaisant hydratant pour les lèvres de la marque personnelle. C'était très bien, mais sans plus. Parce que je peux pas parler. Donc, c'est ça. Puis, je suis une vraie pipelette de la marque. Personnel, regard près. Les masques apaisants et rafraîchissants pour les sous les yeux. Ça a très bien marché. Je trouve que c'était le fun. Donc, c'est ça. C'est ma commande de Body Shop. Le savon à la clémentine. Il n'est pas fini dans ma salle de bain. Mais je vous présente les produits terminés pareil. Il sent super bien puis il hydrate les mains. Un masque doux à rincer. Extrait de crème de riz et de lait d'avoine. De la marque Any One Blend Masque doux à rincer. C'était pour. Pourquoi ça? Ah oui, pour mes cheveux. Ça a très bien marché. Il est vide, comme vous pouvez constater. Il sent très, 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 très bon. Il faisait un effet de fou sur mes cheveux. Il était hydraté, il se plaignait mieux. Tout allait mieux. Mes seins étaient vraiment... mes cheveux étaient vraiment nourris et sains. Et ils brillaient. Comme vraiment, ils brillaient beaucoup. Oh, j'aimais vraiment l'odeur de ce shampoing... Non, masque-là pour les cheveux. Et oui, je me mélange. Une crème à beurre hydratant pour le corps à la vanille et la menthe. Elle se présente comme ceci. De la marque Orchien and Vine. J'ai pas aimé, franchement, j'aime pas l'odeur. C'était bien pour le côté hydratant, mais pas pour l'odeur. J'aime pas. Voilà. Voilà. Je me suis forcée à le finir. Pour vous. Un bioderma, Cébium H2O. Solution micellaire nettoyante, purifiante. Peau mite sa grâce, sans parabènes, hypoallergénique, sans rinçage. C'était bien, c'était un gallon de 500 ml. Mais, qu'est-ce qui n'était pas pratique, c'est que ça coulait super vite. Comme ça, tu poutchais, ça coulait tout de suite. Là, il y en avait encore un peu. Ça sentait bon, mais pas plus que ça. Mais ça faisait un effet. C'était quand même bien, mais ça imbibait un coton, nettoyait la peau et séchait délicatement. Mais j'utilisais avant d'utiliser mes autres produits nettoyants. J'ai pas essayé pour le côté démaquillant encore. Le Clairol, l'image, lustré couleur haute intensité. Révocant tanzan et conditionnant.
ma grand-mère qui il sentait bon, mais là il est un peu passé date, donc il pue. Donc il pue vraiment, mais sinon c'était bien sur mes cheveux pour ce que je m'en rappelle. Lui ça. Un Dove. Un de mes. C'est le seul déodorant qui me fait, le Dove au. Une senteur normale. Ça sentait bon. Le. Un rouge à lèvres qui est rouge mais cassé. Complètement cassé que je peux pas utiliser. Donc je jette. Bah! Peut-être c'est comme ça, c'est ça la vie. Bon. Cette couleur institut, ça me fait pas trop peine. Mais bon. C'est un rouge à lèvres quand même. Ma base à paupières. Oui, il en reste, mais elle était quand même bonne, mais c'est que ça me tente pas trop de me forcer à gratter le tour qui reste. Donc, ah, et des boules de bain de la marque Peppermint Candy, menthe poivrée. C'était des boules effervescentes pour le bain. Donc, c'est tout pour aujourd'hui.